nous avons cherché et qu'un pied sous le plat, ce n'est pas comme des jeunes femmes qui ont été, je ne sais pas, déshabillées. Dans le cas de l'espèce, c'est une bande, ce n'est pas un plat. Il ne faut pas mentir aux téléspectateurs. S'il vous plaît, Roger Chantal, je t'entends. Voilà ma jambe, monsieur. Ce n'est pas. Monsieur, touchez. Je crois qu'on a touché. Merci pour cette précision. Voilà le plat. On va prendre la revue de presse maintenant du côté de la rétention. Vous souffrirez que je réagisse. Il y a eu des choses très graves. Professeur. Dites pas, monsieur, tu es le nom. Je suis désolé. Il y a eu des choses très graves. Je ne vais pas rentrer dans ces diatribes. Je ne vais pas. Je crois que si vous voulez être poli, n'est-ce pas? Je ne veux pas rentrer. Si vous parlez comme ça au capitaine, il est bien normal qu'il vous ait bastonné comme il l'a fait. Ok, professeur. Vu l'âge de monsieur Tulé, je ne vais pas refaire son éducation ici, autour d'un plateau. Ce que je voulais dire, c'est la chose suivante. Je vous suggère d'être plus posé parce que je sais parler comme vous. Je disais la chose suivante. Monsieur Tulé a prétendu. Quand il dit qu'il est journaliste, je suis étonné. Parce que journaliste, s'il avait été journaliste, il aurait seulement lu. Vous avez vu ce qu'il aurait fait sentir un tel monsieur de ses bords. Généralement, on ne distribue pas les prospectus. Il aurait seulement le gendarmerie quand on a des députés à l'Assemblée. Okay. Il dit que je suis journaliste. Roger Chantal. Je suis directeur de publication depuis 15 ans. Roger Chantal, s'il vous plaît, on ne va pas. Et j'ai la prétention d'être parmi les meilleurs journalistes de la République. Okay. Roger Chantal, on ne va pas évoluer de cette façon-là. Moi, je vous donne 30 secondes, vraiment, 30 secondes pour réagir. Sinon. S'il ne m'arrête pas, allez-y donc, il ne va plus le faire. Il a promis. Si monsieur Tulé avait été simplement un lecteur de journaux, même pas journaliste, d'accord, on vous a compris. Il aurait lu que le MRC a déposé depuis décembre 2014. Une proposition de loi portant modification du code vous électoral. Vous attendez donc les résultats. Non, permettez-moi. Laissez-le poursuivre, s'il vous plaît. Attendez, laissez-le poursuivre, je vous en prie. De manière citoyenne, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Allez-y, poursuivez. S'il avait été simplement un lecteur de journaux. On vous a condamné, professeur. Voilà. Deuxièmement, monsieur Tulé va. Il fait des constructions, je ne sais pas, où est-ce qu'il tire toutes ces choses-là. Quand il dit que M. Foguet a fait ceci avec monsieur, le président national du MRC, c'est monsieur le professeur Maurice Kamto. Merci pour la précision. Troisièmement, allons-y. Deuxième chose, monsieur Tulé a parlé d'un patron de banque. Oui. Mon Dieu, si ce patron de banque entend, je suis très heureux qu'il vienne dès la sortie de ce studio. Votre siège. Voilà. Votre siège qu'il a bâti. Ensuite, pour terminer. Je souhaiterais donc que ce directeur de banque qui entend M. Tulé, qui vienne attendre le MSE pour lui apporter ce qu'il manque le plus, c'est-à-dire de l'argent. Et enfin, je voulais rappeler la chose suivante. Monsieur Tulé a une posture que les vos téléspectateurs apprécieront. Il prétend que nous avons été provoqués des gendarmes en allant vers un camp de gendarmerie. Par conséquent, nous avons cherché. Et qu'un pied sous le plat, ce n'est pas comme des jeunes femmes qui ont été, je ne sais pas, déshabillées. Dans le cas de l'espèce, c'est une bande, ce n'est pas un plat. Il ne faut pas mentir aux téléspectateurs. S'il vous plaît, Roger Chantal, je t'entends. Voilà ma jambe, monsieur. Ce n'est pas. Monsieur, touchez. Je crois qu'on a touché. Merci pour cette précision. Voilà le plat. On va prendre la revue de presse maintenant du côté de la régie. Revue de presse avec Debo Harley en délai.